Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, je suis en train de... Comment vous dire ça? J'ai plein de... Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Vous voyez, j'ai une boîte où j'ai plein de découpes. J'ai mes... déjà mes... Ah zut! Mes perfos fleurs, voilà, j'en ai, voilà, des comme ça, des comme ça, des comme ça, voyez, des, hop, encore plus petites, voilà. Et ici, en fait, voilà, j'ai des découpes, voilà, là, vous voyez, c'est des bleus marines. En fait, c'était des chutes de papier que j'avais, donc j'ai découpé, mais pas que, en fait. J'ai aussi, là-dedans, plein de découpes que des copinettes m'ont envoyées, voyez. Comme là, hop, j'avais ça. Et dedans, il y a toutes les petites découpes comme ça qu'après, j'ai juste à assembler. Voilà. Là, ça, c'est moi qui les ai coupées. Et là, on me l'a envoyé. Enfin, vous voyez. Voilà. Et donc, j'en ai plein comme ça. Voilà. Il y a plein, 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 plein. Et de temps en temps, quand je n'ai pas trop d'idées quoi faire, eh ben, j'en sors un peu. Là, j'avais sorti cela. Alors ça, il y en a beaucoup... je suis pas certaine, mais je pense que c'est Sandrine, fleur scrap, il me semble, mais je parce que souvent c'est elle qui m'envoyait avec ces petites choses comme ça, voilà, après si je me trompe, je m'en excuse, quoi qu'il en soit, qui que ce soit qui m'en a envoyé, je suis hyper contente, voyez, j'en ai des comme ça, alors là, il y en a que moi j'ai découpé, mais il y en a plein que j'ai reçus. Voilà, donc je mets tout ensemble, hein. Vous voyez, là c'est encore une boîte hein, qui est là, hop, vous voyez, tout ça c'est des découpes de fleurs, voilà, là, 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 il y en a partout, voilà. J'en ai vraiment plein, 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 et donc de temps en temps, je m'assois quand j'ai pas d'autres idées, et je sors mes strass, vous voyez, là, hop, il y a plein de strass, je sors mes petites boîtes de strass, ma colle, mon tapis pour embosser, et au travail, voilà, et j'embosse, je colle, et là j'en ai déjà fait, avant de manger j'ai fait cela, mais bon j'ai pas voulu faire de vidéo parce que, bah, parce que après j'étais en attente en fait d'aller de l'autre côté, donc j'étais pas sûre d'être dispo tout le temps, donc j'ai un peu laissé, mais là voilà, je me suis dit il est encore tôt. Et comme je vais en faire quelques-unes, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite vidéo. Je vais faire ce sera une petite vidéo, hein, ce ne sera pas grand. Sachez que ce n'est pas une nouveauté parce que j'ai déjà fait ce genre de choses avec vous. Voilà. Ce n'est pas un tuto, hein, c'est juste bah, pour le faire, pour ne pas être toute seule, pour le faire avec vous. Là, j'ai ceux-là, là, et je voudrais, je ne sais pas trop ce que ça donne, parce que c'est des soleils. Voilà. Mais moi, j'aime bien en fleurs. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer d'embosser un peu. Voilà, hop. Je prends les stylets. Ça, c'est des stylets pour le scrapbooking qu'on trouve. Bah, si vous tapez stylet pour le scrapbooking, bah, vous faites un peu défiler ce que Google y propose et vous allez trouver des propositions. Souvent, ils sont par paquet de 5 de tailles différentes. Voilà. Vous en avez des gros, mais vous en avez aussi des très fins. Voilà. Moi j'avais commandé cela, je sais pas, je m'en rappelle plus où j'avais eu en fait, si c'était Amazon ou un truc comme ça ou AliExpress. Et j'ai celui-là, c'est celui que j'utilise vraiment le plus. Et celui-là, je l'avais acheté, je crois, chez Créatitude. Voilà, c'était tout seul et c'était il y a longtemps. Celui que j'utilise vraiment le plus. Et sinon, vous voyez, ceux-là, je vous dis, il y en a, voilà, hein, c'est... Voilà, et il y en a encore un autre qui est là-dedans, mais vous voyez, il y en a 5, voilà. Bon, les trop gros, je ne les utilise pas beaucoup, hein, ceux que j'utilise le plus, c'est ceux-là, voilà. Donc là, hop, j'ai embossé, donc je retourne la fleur, hop, pour voir ce que ça va donner. Je ne suis pas du tout certaine d'aimer ce que ça va donner, mais bon, on verra bien, hein. Voilà, hop. Après, on met la colle et on va voir. Voilà, hop, hop, comme ça. Alors, là, là, maintenant, je mets
de la colle au milieu, hein. Alors ça, c'est voilà, je ne sais pas qui me les a envoyés, ces petites choses-là. Je ne sais plus. Je vous dis, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de petites choses comme ça. Que il y a deux personnes qui m'ont envoyé tout, qui, c'est vrai, ils m'ont gâté vraiment, voilà, outrance. C'est Ghislaine. Voilà, Ghislaine. Et il y a eu Martine, au début que j'avais ma chaîne. Elle m'avait envoyé un calendrier de l'Avent, tout ça, c'est voilà, il y avait beaucoup de choses. Mais après, c'est Sandrine. Sandrine, je sais, elle m'a envoyé beaucoup. Elle adore les petites fleurs aussi, et du coup, elle m'en a envoyé pas mal. Et bien sûr, Sylvie de la vie, de la chaîne Vie Création, voilà. Mais du coup, voilà, voilà, voilà. Donc là, moi, ce que je veux, c'est voir qu'est-ce que je vais mettre là. Alors, j'ai plein de strass là que je vais faire comme ça. Là, ils sont pas triés ceux-là. Et je me suis dit que bah, j'allais voir comme ça. Voilà. Si c'était facile ou pas de faire sans les trier. Voilà. Je regarde dans ceux que j'ai ici, évidemment, voir si. Ah oui, parce qu'il y a les jaunes là, ils sont pas mal, les grands comme ça. Je vais essayer un pour voir ce que ça donne. J'ai déjà fait les autres, d'autres avec. Voilà, ouais, ça fait joli. Hein. Vous voyez, hop. Et après, j'ai la boîte parce que je vais tous les mettre là comme ça. Voilà. Hop, mais là, si je mets trop, ça va peut-être gêner. Voilà, parce que là, cette petite boîte-là, elle est déjà pleine. Alors, voilà, ouais, si ça fait sympa, mais je voulais pas tous les faire comme ça, que j'appuie pour que la colle elle adhère vraiment bien, hop. Voilà, hop. J'aime bien quand c'est comme ça aussi avec les demi-perles. Parce que souvent, pour certains, c'est sûr que c'est les demi-strass, ça rend super bien. Hop là. Quand je vais voir, j'ai celle-là. Là. C'est comme ça. Je vais voir en demi-perles. Alors, parce qu'il ne faut pas trop gros non plus. Hein. Évidemment, là, tout ce qu'il y a là. Non, celle-là. Yeah. C'est grand quand même. Il faut un tout petit peu plus petit. Hop, on va essayer. Voilà. Voilà. C'est la même que l'autre, la grandeur. Hop, ça c'est une un peu plus petite. Voilà, je fais comme ça. Je fais comme ça vient. Hein. Je vais pas trop, je prends pas trop hop, le temps de réfléchir. Parce que des fois, quand on réfléchit trop, surtout pour des trucs comme ça. Parce qu'après, dans les créations, on arrive toujours à les caser en fait. Même des fois qu'on dit « Oh non, j'aime pas trop la couleur. » Et puis en fait, ben, on se rend compte qu'on arrive, pour certaines créations, ben, on arrive très bien à les caser. Donc voilà. Hein. Hop là. Là. Et la dernière. Bon, ça en fait quelques-unes comme ça. Voilà. Ah, il y en a encore un. Il y en a encore une. Ah, celle-là, j'aurais peut-être pu prendre. Tiens, je vais tester. Non, je ne vais pas prendre là, puisque j'en ai là. Alors, dans ceux que j'ai... Voilà. J'ai un comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez,
quand ça brille. C'est vrai que des fois, quand les strass, ça fait toujours un effet beaucoup plus brillant. Mais bon, comme ça fait un autre genre. J'allais faire dans l'autre sens, n'importe quoi. Celui-là, il est quand même moins beau parce qu'il est gros. Oh, je vais l'enlever, il est trop gros. Elle est trop grosse, celle-là. Quand je regarde maintenant, je me dis non, c'est moche. Allez, on va mettre celle-là. Pas grave, on met comme ça, brillant comme ça. Ah, ça a bougé. Il faut essayer quand même de les mettre au milieu, hein, parce que ça fait mieux. Voilà. Et je veux faire des petites fleurs comme ça, en fait, parce que j'ai dit à une copine que je lui enverrais des petites fleurs. Donc, bah, il faut que je fasse des petites fleurs, voilà, pour envoyer. Alors, là, je vais peut-être prendre ouais, cela. Quoique non, je peux faire cela, là, les petites. Je vais prendre des petites comme ça, mais je ne vais pas les embosser. Cela, parce qu'elles sont tellement petites. Voilà. Je vais mettre directement la colle. C'est tout petit. Voilà. Je vais mettre juste le petit plot de colle. Et voilà. Voilà. Hop. De temps en temps, le soir, une fois qu'on a mangé avec mon fils, qu'après, bon, bah, qu'on ait rangé, enfin, tout, voilà. Après, lui, bah, il s'en va dans ses appartements, voilà. Et moi, dans les miens. Et des fois, bah, il est encore tôt, hein. Des fois, il est que 8 heures, un truc comme ça. Et j'attends pour regarder ma petite série à 9h moins quart. Donc, des fois, bah, je reste là. Alors, des fois, je réponds aux commentaires ou je profite pour regarder une petite vidéo ou faire des petites recherches, voilà. Ou faire ce genre de petites choses comme ça, voilà. Mais forcément, comme c'est le soir comme ça, je fais pas de vidéo. Mais là, oh, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, hein, comme ça, vous savez comment je fais, malgré qu'il n'y a rien du tout. La plupart d'entre vous savez le faire. Voilà, il n'y a pas de. C'est juste. Eh ben que là, moi, voilà, c'est comment j'ai eu mes petites fleurs. Alors, voilà, c'est vrai qu'il y en a, c'est moi qui les ai coupées. Mais j'en ai aussi, comme je vous ai dit, hein, il y en a beaucoup. C'est des copinettes, comme ils savent que j'aime bien les petites fleurs. Eh bien, il m'envoie des petites découpes, en fait. Qu'après, ben, je suis libre de. Ouais, ben, je voulais regarder les tout petits là. J'en ai pas des tout petits là. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais ça va pas. Donc, je vais prendre là-dedans. Voilà, j'adore cela. Ce espèce de rose un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt faire comme ça, parce que ça va être plus simple. Voilà, parce que des fois. Voilà. Et je vais prendre le petit truc, ça va aller plus vite. Voilà. Au milieu. Voilà. Ah, il est pas venu. Voilà. Voilà. Je vais aller les mettre en haut dans le couvercle parce que là, voilà, vous voyez, les tout petits comme ça, ils sont vraiment superbes, j'adore. Alors c'est vrai que, disons, c'est pas plus long que faire les grandes, hein, c'est pareil, hein. La seule chose, c'est à l'utilisation, c'est sûr que quand on les utilise, eh ben ça va vite. Comme elles sont toutes petites, et ben voilà, il faut en mettre beaucoup à chaque fois. Et donc forcément, ça, il en faut. Quand on en fait, il faut en faire beaucoup.
Parce que si on n'en fait que 5 ou 6, ça ne donne pas grand-chose en fait, hein. On peut les utiliser une fois et encore, ça dépend ce qu'on fait. Là, je vois, je voudrais faire des. Ah, j'ai pas mis de colle là. Je voudrais faire après des petites ATC, par exemple, sur le thème du printemps. Et ben voilà, si je décide de faire une série avec des fleurs comme ça, et ben voyez, ça va aller très vite en fait. Ce que j'ai fait là, ça donne rien, ça, voilà, ça sert, ça, enfin, ça, c'est pas que ça sert pas, mais il y en a pas beaucoup. Voilà, hop, voilà, au milieu, hop, et voilà. Voilà. Donc, voyez, hop, on met bien au milieu. Voilà. Je sais pas si de là-haut, si vous voyez, parce que c'est vrai que là maintenant, c'est le soir. Et ceux-là, je ne les ai pas embossés parce que ça a été coupé avec du papier épais. Et voyez, les pétales, elles sont déjà légèrement relevées. Donc, voilà, ça me va très bien. Hop. Ça, je pourrais bientôt faire le petit envoi pour la copinette que j'avais dit que j'enverrais quelques petites fleurs, parce qu'elle adore les toutes petites fleurs. Voilà, alors on va en remettre encore quelques-unes là comme ça sur la table. J'ai encore une petite dizaine de minutes avant de tout fermer. Donc, hop, je vais enlever tout ce qu'il y a là-dedans. Moi, je vais toutes les faire en blanc, mais la copinette, vous voyez, elle les avait coloriées. Voilà, elle avait colorié. Faut que ce soit avec des couleurs enfin différentes évidemment puisque c'est colorié, mais moi je vais faire en blanc, je vais les faire, je vais les garder en blanc. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des strass de couleurs différentes. Voilà, sinon j'aime bien les petites fleurs blanches, donc avec juste le cœur. Là, je vais en faire avec le cœur jaune, comme ça fera comme des petites pâquerettes. Là, hop. En fait, ça va très vite, hein, quand on se met comme ça à faire. Il y a des fois, je me mets comme ça, je dis, allez, je fais un tout petit peu. Et en fait, très facilement, je me retrouve à avoir fait 50 quand c'est pas 100 petites fleurs comme ça. Hein. La seule chose, c'est que je vous dis, hein, quand on utilise des fois en une carte. J'en mets 20, alors. Ça, je mets tout. Souvent, je fais ça le soir. Je mets tout dans la boîte, là, et après, le matin, c'est bien sec et je mets dans les boîtes. Voilà. Et les petites fleurs, elles sont toutes rangées. Voilà. Hop, maintenant, on met la colle. Alors c'est bien parce que comme c'est de la hop, bêtise, comme c'est de la colle blanche, bah, elle est transparente, enfin en séchant, elle est transparente. Donc pour les fleurs, c'est impeccable. Voilà. Attention qu'elles n'aillent pas les unes sur les autres, parce que comme il y a la colle, hop, à la chaîne. Ben oui, ben il faut bien. Hein. Ça, au début, enfin, je pensais pas vraiment faire en vidéo ce genre de choses. Hein. Mais maintenant, je me dis des fois, ben, comme j'ai pas forcément d'idées pour faire des cartes. Hein, mais par contre, c'est pas pour ça que je ne fais rien dans ma petite salle de jeu. Hein. Je m'amuse quand même, entre autres, à faire ce genre de petites choses comme ça.
Eh ben, vu que le but de ma chaîne était quand même de partager avec vous, eh ben voilà, je partage avec vous. Par contre, voilà, c'est pas un tuto, hein, c'est voilà. Et puis c'est juste des petites fleurs. Ah oui, j'ai dit que je voulais faire en jaune d'abord. Alors, Elena, réfléchis. Les jaunes, parce que j'avais une petite pochette de jaune. Alors, attendez, hop. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que j'ai ceux-là, d'accord, mais je voulais. C'était pas ceux-là, les petits jaunes. Bah, je l'avais tout à l'heure. J'avais la blanche. Ah, c'est là. Je vais voir si c'est pas trop grand. C'est des. Ça, c'est des. Genre de demi-perles, mais des restes de diamond painting. Alors, hop, est-ce que ça fait trop grand ou pas? Oh, il s'est tourné à l'envers. Et après, quand c'est tourné à l'envers. Ah non, c'est impeccable. Impeccable. Ah, c'est quoi ça? Alors, là, il faut que je arrive à en mettre. Bon, tant pis. Sinon, je vais faire avec ça. Parce que. Alors, ouais. Voilà, comme ça fait comme des petites pâquerettes avec le cœur jaune. Voilà. Je vais faire quelques-unes avec ça et puis après j'en ferai peut-être avec des demi-strass dorés, comme ça, enfin jaune. Par contre, c'est très embêtant. Dès qu'il y a un petit peu de colle au bout de la pince, après, ça a tendance à. La tendance à rester collée à tout. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, souvent, je fais par 10 ou 12. Pareil. Donc là, hop, je vais les remettre, hop, là. Et à la colle, quand il y a la colle, voilà. Donc on va faire attention. Voilà. Attraper vraiment au bord. 3, 4, 5, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. Voilà, 11. Ben, je vais refaire une autre. Ça fera 12. Alors, ça fait super joli quand même, hein. Je vous dis, c'est beau. Voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, je vais essayer avec les strass dorés. Suite, 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 suite. Alors, les strass dorés, ils sont là. Je vais en faire déjà un. Enfin, une. Waouh. C'est différent. Ça fait pas pareil. Tout compte fait, j'aime bien les autres quand même. Ah. Là. Ah! Là. Ah, évidemment, il s'est retourné. Alors. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six, sept.
j'avais sauté là. Non. Alors, on va les tous. C'est parce que c'est dur de les enlever comme ça là-dedans. Oui, voilà, elles se retournent. Voilà, c'est ça l'embêtant. Bon, on va faire comme ça là. Voilà. Voilà, c'est fait. Là. Et voilà. Et après, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11 et une qui font 12. Voilà. Ouais, je vais finir ça tranquillement. Ensuite, je vais aller m'installer. Je vais regarder la petite série de la 2. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas encore ce que je vais regarder. C'est vrai, j'ai même pas regardé parce que il y a le lundi. Oh là là, en ce moment, je sais, il y a une série, mais j'ai pas commencé à la regarder. Là, la peste, hein, oh, ça m'a pas donné envie de regarder. Oh non, j'avais envie de, j'avais pas envie de regarder des choses horribles, hein. Et tous ces morts, j'avais pas envie. Alors, du coup, j'ai suivi des petites choses. Mais là, des fois, j'ai mis des trucs sur Netflix. Des petits comptes. Mais là, je... Hop. Ce soir, j'ai même pas regardé vraiment ce qu'il y avait. Je sais qu'il y a la fin, justement, de la peste. Mais je n'ai pas envie de regarder ça. Alors là, je... 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 10, 12 ans, bah si, il y en a. Bon, bah je vais encore faire quelques-unes avec celle-là. Hop, comme ça, ça fera vraiment les marguerites. Oh, j'ai l'impression que j'en ai fait tomber. Voilà. Parce que elles étaient là. Voilà. Et voilà. Et ici... Je vais faire pareil. Alors, hop, je l'ai perdu. Ah, voilà. Voilà. Hop. Ouais, c'est peut-être pas le genre de vidéo que vous aimez bien, ça. Parce qu'en fait, je parle pas beaucoup. Je fais attention à ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pas... Disons, je devrais peut-être faire ce genre de choses, mais en mettant en direct. J'ai pas encore essayé de faire, comment dire, une vidéo. Mince, j'ai avalé le... Vous voyez, en ce moment, non mais c'est grave hein, quand même. Hein. J'arrête pas de courir après mes mots. Enfin, bref, voilà, et voilà, j'ai rattrapé, et voilà, oui, en live, faire en live avec vous, comme ça, tout en papotant, je peux faire ce genre de petites choses comme ça, mais le problème est que si je fais, après, vous me posez des questions, il faut que je lise les questions, etc., donc je ne suis pas certaine... Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse faire ça, mais qu'on puisse écouter, entendre, pas être obligé de lire, en fait, qu'on puisse entendre les questions plutôt que de les lire, parce que sinon, c'est difficile. Oh, bah, mine de rien, vous savez que ça prend du temps, hein, ces petites choses-là. Ça fait une demi-heure quand même. Hein. Regardez les petites fleurs que ça fait. Alors là, je ne sais pas... La lumière, voyez. Et ça, c'est ce que j'ai fait. C'est celle que j'ai fait tout à l'heure avant d'aller manger. Voilà. On voit pas bien. Oh, si là, peut-être on voit bien. Donc voilà. Et demain, je vais continuer encore un petit peu. Là, il est 40, donc le temps de que je prépare tout. Voilà. Ma série, elle commence. Donc hop, là, je mets comme ça. J'aime bien. Et donc ces petites fleurs, elles font
Elles sont petites, hein. Elles font hop, 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 8 mm à peu près. 8 mm. Donc, c'est vraiment petit, hein. C'est un peu plus grand que celle que je fais avec la petite truyouteuse là, mais elles sont toutes petites quand même. Voilà. Bah écoutez, voilà, hein, là je vais tout fermer. Donc merci de m'avoir tenu un petit peu compagnie. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Voilà. Allez, sur ce. Oups, là. Voilà. Voilà, ça fait quand même mieux si je mets ça là devant. Hop, non, ça va pas tenir. Bon, c'est pas grave. Hop, je voulais que vous montriez cela en même temps, mais non, ça va pas. Bon, allez, tant pis. Allez, sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et à très vite.